Et bonjour à tous, c'est Wolfie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans The Legend of Zelda, The Minish Cap. Le but, c'est pour l'instant d'explorer le château. Normalement, j'ai débloqué des choses. Voilà, ici. Et de l'autre côté, pareil, normalement. Voilà, alors en plus... Parfait. Je trouve un endroit où changer en mini-niche aussi. Ah non! Parce que de l'autre côté aussi j'ai un truc à... Oh. Bon c'est pas grave, on va explorer tout ça. Et... je me rappelais qu'il y avait quelque chose, mais je me rappelais plus où. Déjà. Ah, j'ai pas de quoi mettre le feu. Salut. Moi, Kushin, je suis vraiment le meilleur épéiste de Hyrule. Si tu suis l'entraînement de mon dojo, tu es certain de progresser à l'épée. Cependant, il fait tellement noir ici que je ne discerne même pas ton visage. Alors pour un entraînement... Et ouais, j'ai rien pour te faire de la lumière. Mais... Je reviendrai. Peut-être qu'il me manque des choses encore, hein. Ouais, j'ai plein d'arbres, on peut faire ça aujourd'hui. On va se balader un peu sur la map et voir tout ce qu'on peut déverrouiller, tout ce qu'on peut faire à droite, à gauche, au milieu, en travers. Là, y a rien. Y a rien. Bon, j'en aurai besoin plus tard, hein, mais... J'ai pas d'endroit où redevenir grand ici, hein. Ah, regardez, ils m'ont tout barré. Eh ouais. Bah c'est pas grave. Allez, on va chercher d'autres arbres comme ça. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Ah, lui, je peux pas. Meurs. Meurs. Bon, j'ai dû rater quelque chose, mais c'est pas grave. Je sais pas si j'ai pas un arbre ici aussi. T'as pas la bonne idée de bouger, toi, hein. Oui. Ah. Ouais, je peux toujours pas y aller non plus.
il est bien fort le son, j'arrête pas de... Voilà. Ouais, il n'y a que le carquois pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Bon, ben... La boutique de Shimano, Shimaru, est ouverte. On dirait qu'il a accès à son comptoir. Bah oui, on sait ça, mais... Ah, merci mon petit. À fond démarrer. Ah oui, c'est vrai. Oh. Ouais, super. Mes brasses de fragments à acheter. Tu vends combien déjà celui-là? Allez. Celui-là, tu le vends. Allez. C'est important d'acheter des fragments, les amis. Sinon, vous ne pourrez pas progresser. Hein. Toi, tu es toujours seul, ok. Voilà. Au moins, on progresse. C'est bête, mais tout ça, c'est hyper important. Ah. Faudrait que je trouve le postier qui court dans la ville. Il est là. Voilà. Bon, ça, je le parle pas parce que c'est accessoire, hein, en fait. J'ai même pas les sous pour m'abonner, mais au moins c'est fait. Non. Non. Voilà. La carte. J'ai pas envie d'aller en arrière. On va aller... on va se téléporter. On va prouver ça, on va prouver ça. Bonjour mon petit. Tiens, tiens les visiteurs, c'est rare. Tu veux que Monsieur Scoop te renseigne? Hein? Tu veux aller au temple sur le lac? La rumeur voudrait qu'un seul et unique Minish ait réussi à y pénétrer. Bukta. C'était il y a fort longtemps. Et Bukta, un homme aujourd'hui, mène aujourd'hui une vie tranquille. On dit qu'il a pris sa retraite dans la bibliothèque de la ville. Elle ne devrait d'ailleurs pas tarder à ouvrir. Tu devrais y faire un tour. Merci mon petit. Ah. Au revoir mon petit. Voilà. Ça va nous déverrouiller plein de choses. Voilà. Bonjour, je suis préposé au pré. Alors ça va. Tandis que ma collègue... Bah qu'est-ce qu'elle a ta collègue? Salut, bienvenue à la bibliothèque. Oh, mais tu es Link, le petit-fils de Monsieur Smith. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Bonne lecture. Ouais, t'as raison, elle est chelou ta collègue. Bleh.
ça, c'est quand vous vous trompez de couche parce que vous pensez avoir les bottes sur vous et que vous les avez pas. Bon, c'est pas avec ça que je vais m'enrichir. Voilà, ça sera ici. Sur cette étagère, les livres se déplacent tout seuls. Mais personne ne veut me croire. Ah. Voilà, alors il faut le bâton sauteur. Et partant d'ici, on va avoir plein de choses à faire aussi. Alors déjà, on va s'occuper de la bibliothèque. C'est terrible, c'est terrible. Des humains ont emprunté des livres. On ne peut plus retourner chez Boca. Il doit être bien ennuyé tout seul. Ah, comme je m'inquiète. La bibliothécaire doit savoir qui sont les humains qui ont emprunté des livres. Moi, je ne peux rien faire, malheureusement. Merci mon petit. Alors. On va déjà s'occuper de retrouver les livres. On explorera la ville en mini-niche après, parce qu'on va avoir pas mal de choses à faire ici encore. Je suis préposé au pré, alors ça va, t'impliques ma collègue? Ah oui, c'est vrai. Salut, bienvenue à la bibliothèque. Ah, c'est encore toi, le petit fils de Monsieur Smith. Pardon? Les trois livres manquants à l'étage? Ils ont été empruntés il y a longtemps, et jamais rendus depuis. Qui a bien pu emprunter les animaux en image? Ah, voilà. C'est la jeune fille qui voulait savoir comment élever son chat. Une fille qui veut élever son chat? Madame Miaou. C'est pas toi? Non, c'est pas toi. Là, tu es mort. Ah. Maman, je vais chez les voisins. Et là. Ouais, il est là, le livre. Midi, tu m'as cassé. J'avais un truc en tête, il m'a cassé tout ce que j'avais en tête, le... J'ai pas d'eau, hein. Il me faut de l'eau. Combien de temps par contre ça dure la médaille, mais on peut l'avoir à volonté, hein. Alors c'est rigolo, mais ça par contre je me rappelais qu'il fallait rentrer là. Tu sais, il y a des fois il y a des trucs comme ça. Ce chien n'arrête pas de nous regarder, Link. Il veut sûrement qu'on joue avec lui. Ouais, bah on va essayer de pas trop l'approcher. Mais il est fou ce chat, mais il a pas bougé. Pourquoi tu persécutes? Voilà, il essaye, vous voyez. Mais faut l'approcher. Alors moi c'est lui, hein, c'est le chien qui vous dit qu'il a trop chaud et qui vous met sur la piste d'éteindre la cheminée. Hein. Allez, ça c'est fait. C'est vous. C'est vous. Je m'entête à rouler alors que j'ai ça. L'habitude. Oh, les animaux en image. Il est en fin de retour. Link, c'est toi qui es allé le chercher? Merci, tu m'auras un fier service. On peut vraiment compter sur toi.
Ensuite, le deuxième livre qui n'a pas été rendu, voilà. Il s'agit de La Légende des Minish. C'est un chercheur qui étudie les Minish qu'il a empruntés. Il habite près de la maison avec les roues de moulin à eau. On appelle ça des auvents. Elle me semble. Ouais, ça y est, t'as acheté la maison? Alors, mon garçon, c'est une belle maison, hein. Achète-la, le grand confort. Comme la dernière fois, je veux un seul locataire. Et uniquement une fille. Si tu connais une jeune fille correcte, présente donc la moi. Oui, je crois savoir à qui il faut vendre ça. Et je sais plus où est la maison du moulin, mais c'est pas grave. On va aller chercher la donzelle. Tu as trouvé une maison à louer? Yes. Oh, merci. C'est que je suis heureuse. Et en plus, une maison toute neuve, c'est super. Voilà. Ça nous débloque son talisman à elle. Ah oui, c'est vrai qu'il va falloir que je m'occupe des chats ici aussi. Ah, la maison. Il est venu, Link. Cette maison me plaît énormément. Si tu as un flacon vide, je te donnerai un fort bonheur que j'ai fabriqué. Non, merci. Bien, alors, la maison avec le moulin. Je sais plus du tout où c'est. Ça, je m'en occuperai, t'inquiète pas. Voilà. Ah! Problème, je suis pas sûr de... de pouvoir redevenir grand. Mais j'ai fait de la merde. Ah non, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Il y a plein de choses à faire ici aussi. Ouais, je sais. J'ai pas laissé servir à rien. C'est à lui qu'il faut parler, tu veux pas bouger toi, hein? Le chien il s'appelle Waf. Après on dit que j'ai pas d'imagination. Et c'est cool. Hop. Salut. Muto n'arrête pas de se plaindre, mais dans le fond, c'est un brave homme. Et ok. Le mec, vous allez juste le voir pour qu'il vous dise du mal des gens gratuitement, quoi. C'est pas le boulot qui manque. Quand on aura terminé les travaux ici, il faudra aller réparer les escaliers. Un assemblage, allez hop, et vous avez toujours les mauvais verres. Et voilà le travail. Ça n'a pas été sans peine. Il n'y a que moi qui pourrais accomplir cette tâche dans des délais si courts. Les monts sont vraiment déchaînés. Il y a des réparations à faire partout. Oh là là, j'en peux plus. Le patron est un vrai tortionnaire. Ok. Mais c'est un bouquin que je voulais. Les figurines de la galerie Tendo sont assez réputées par ici. Mais qu'est-ce qu'un enfant comme ça peut y comprendre? Collectionneur de pop, va. Je t'en foutrais des figurines. Je peux pas comprendre.
je collectionne les coquillages surprises et l'on peut trouver un peu partout. Ici, tu peux jouer ces coquillages pour gagner mes superbes figurines. Tu m'as amené des coquillages surprises? Tu veux les jouer à la loterie? Tu peux gagner des figurines. Je joue. Ouais, je sais, on devait chercher un bouquin, mais bon. Plus tu en mises, plus tu as chance de gagner une figurine que tu n'as pas. Bah, pour l'instant, j'en mise un. Tu en mises un. Et c'est parti. Ah, on va voir ce qu'on gagne, les amis. Hein. Pim, 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 pim. Super. Gus et Fantôme, Gaïum que l'on peut rencontrer grâce à un assemblage de fragments. Félicitations! Je dépose ta nouvelle figurine sur l'étagère de gauche. Comme ça, tu peux aller la contempler à loisir. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pour voir mes figurines. Ah, et chaque fois, je suis obligé de t'en reparler. Ok. Bah oui. Par contre, c'est dommage qu'on peut pas tirer plusieurs figurines d'un coup. On va s'en faire quelques-unes, puis je repars faire la quête, hein, les amis, parce que sinon on va rester là sans temps. Hein. Parce qu'il y a énormément de figurines à récupérer dans le jeu. Ouais, un bébé Goron. Là, moi, j'ai des cailloux. Pour l'instant, ah, je vais encore en faire deux de plus, les amis, puis on reprend notre quête. Et j'essaierai à chaque vidéo d'en faire quelques-unes. Waouh, des flaps. Il en faut du flap à l'un. Allez, encore deux. Alors je sais pas combien il y a de figurines à récupérer exactement, je vous avoue que je n'ai jamais fait ça à 100%. Hein. Mali Molbin. C'est mieux. Allez, donne-moi une dernière et je me casse. Ah, un Glioc, on a eu le boss, ça c'est cool. Et merci, allez, je reviendrai. Bon, par contre, j'étais censé trouver un bouquin par là, moi. Ce serait toi qui aurais le bouquin? Ah, c'est vrai. Je suis Lef, espère en Minish. Bon, tu veux le livre de la bibliothèque, la légende des Minish, c'est ça? Vraiment désolé, mais depuis quelques jours, je n'arrive plus à le retrouver. Des souris l'ont peut-être caché, en tout cas, il n'est pas sorti d'ici. S'il est vraiment... Si vraiment tu en as besoin, libre à toi de le chercher. Moi, je suis trop occupé. Alors, on va le chercher. Ah! Pardon. Mais... Eh oui, mais je comment fais pour... En fait, j'arrive pas à bouger celle-là. Je peux pas la saisir celle-ci, je peux que la pousser. Vous voyez là, après je suis complètement bloqué. J'essaie d'y retourner en mini, je vois.
ouais, c'est complètement bloqué. Hein. Hey, tu connais le mythe du trésor? Je m'en fais avoir, je t'ai déjà vu tout à l'heure. Bah là, pour l'instant, je peux pas y aller. Hein. Ah. Ah non. Mais mis ça de partout. Bon, ouais, il est sorti de chez lui. Alors, tu veux absolument y aller? Tu vas te couvrir de gloire. Si tu ne meurs pas. Oula, je n'y arriverai jamais. Impossible d'avancer plus loin, j'ai trop peur. Sérieux le chat? Merci. Aïe. 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 Casse-toi. Oh. Allez. Va plus loin le chat. Oh. Il est d'une rapidité le machin. Ah, je suis presque, ça y est. Eh ben. Qui aurait cru qu'un endroit pareil se cachait derrière la fontaine? Bon, dépêchons-nous d'aller chercher ce fameux trésor des mines. Meurs. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Et toi aussi. Je le veux. Alors, je sais même pas si je peux explorer ici. Les bracelets de force, voilà. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ah, ça va tout me débloquer là. Bon, il faudra que je revienne ici plus tard. Voilà, par contre, pour revenir. Non, non. Ah. Ça, je peux pas le pousser. Bien, bien, bien. Alors là, on va pouvoir progresser aussi. C'est que je comprenais plus, je me disais, mais comment je fais pour bouger les étagères? Salut mon petit! Bonjour! Bienvenue dans ma nouvelle maison! C'est bon d'avoir une maison neuve! Ça tombe bien, je voulais justement changer! Alors... Merci! Toi t'as enfin la bonne forme de verre! C'est vrai qu'il faudrait que je fasse... que je farme des fragments... Ah, d'Almarie aussi! Faudra qu'on fasse une session spéciale marée aussi, les amis. Hein. Et ils sont au même endroit, remarquez. Hein. Hey, ça, c'est fini. Et maintenant, je devrais pouvoir récupérer ce fameux bouquin.
Oh non. Les mecs, ça inquiète pas de voir les meubles bouger tout seul, hein. C'est pas grave. Oh, Nice, j'aimerais bien redescendre ce livre, mais même à deux, c'est dur. Et mon frère est trop pris par sa lecture pour m'aider. Elle est encore un effort. Ah, je m'y attendais. Les livres des humains sont vraiment amusants. Le choix de l'elf qui habite en bas sont toujours éclairés. Tu veux pas m'aider, toi? C'est très poussiéreux ici, non? Je voudrais faire le ménage. Et si je fais le ménage, tu peux bien... Oh, je me rappelais plus de ça du tout. Ok. Ça, le jeu il est bien, il vous indique toujours tout. Parfait. Bon, par contre, maintenant il faut que je m'engrossisse quelque part. Ça surprend jamais personne de voir un mec qui sort d'un coup d'impôt qui est à l'envers, etc., etc. De voir des bouquins tomber. Et il faut que je redevienne petit pour quitter cet endroit. Attendez, attendez. J'ai pas envie. Allez. Bon, je sais pas si c'est plus rapide entre nous, hein. C'est juste j'avais la flemme de redevenir petit, faire le trajet, redevenir grand, refaire le trajet. Hey, ce livre, c'est la légende des Minish, prêté depuis des lustres. C'est encore toi qui allais le chercher, tu es un amour. Enfin, le dernier livre qui n'a pas été rendu, c'est Tout sur les masques. C'est Monsieur Agar, le maire, qui l'a emprunté. Étant donné sa position, il pourrait donner l'exemple. Monsieur Agar, on en semble que c'est juste à côté. Voilà, ici. Yes, c'est bien moi, Agar, qui ai l'honneur d'avoir été élu maire. What? Tout sur les masques? Tu dis que c'est moi qui ai ce bouc? Ça se pourrait bien, je ne m'en souviens pas. Ouah, des sous, j'en ai besoin pour l'abonnement en plus. Très bien. Eh ben, il faut en faire des choses hein, pour juste avancer dans le jeu. Monsieur Agar est allé dans la cabane du lac à Kengiwa. Je suis les bras l'autre jour. Oui, s'il te plaît. C'est jamais facile avec eux, hein. Et vous êtes obligé de faire toute la map pour récupérer un bouquin pour pouvoir récupérer les palmes de Monsieur Book. Wabook, Tabook. Je sais plus comment il s'appelle.
Non, on va aller là, hein, on va se rapprocher. On peut pas passer par là. Hein. Ah, il y a un autre tingle. Ouais, je sais, vous voulez tous des fragments. Ouais. J'ai pu faire aucun des frères tingle. C'est pas par là, et par là, ben, je peux pas passer. Bien, merci de me faciliter les choses, le jeu. Là, t'as pas de fragments à échanger, ok. Je voulais savoir si par là, si je pouvais pousser le fameux rocher qui me bloque. Voilà, merci pour le cœur, c'est ce que je cherchais. J'espère que c'est bien par là. Ah bah non, il faut que je puisse nager là. À retenir, il faut parfois s'enfoncer dans le tas pour obtenir ce que l'on veut. Exactement. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que le PC veut faire une mise à jour encore. Il m'a déjà fait 3 mises à jour cette semaine. Alors juste qu'il me laisse récupérer ce bouquin, après il fait ce qu'il veut, pour que je puisse au moins finir cette vidéo tranquille. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu des coffres comme ça aussi, dans des lieux mini-niches comme ça, j'ai complètement zappé, hop là. Ouais, les mouches, elles y étaient pas tout à l'heure. Ouais, je vais avoir besoin de ça après. J'aimerais finir d'explorer ici. Non. Méchant. Voilà. Alors ça, je me rappelle plus du tout, les amis. Alors j'ai eu le réflexe quand je l'ai vu, mais Ah, nice.
Parfait. Parfait, parfait. Ça, je sais que c'est l'autre entrée. Ouais, faudra que j'aille entrer là. Alors, les gourons. Est-ce que j'ai le temps? On va essayer de faire les gourons. J'essaie de jouer un peu sur moi. Toujours le mauvais chemin. Au secours. On va essayer de récupérer le trésor des gourons. Et de ramener le livre dans cette vidéo. Ah non! Bon. On va ramener le livre. Pas loin, voilà. Ah! Ma belle. Oh, c'est bien tout sur les masques, empruntés depuis une éternité. Le maire a vraiment tête en l'air. Tu ne trouves pas? Ça n'a pas été trop difficile de récupérer le livre? Je te dois une fière chandelle. Merci, Link. Ouais, j'ai pas envie de voir ta chandelle. Merci, Link. Et grâce à toi, tous les livres sont de nouveau disponibles. Ils peuvent maintenant reprendre leur place sur l'étagère au premier étage. Ah, Doc, tu pourrais t'en occuper? Ouais, j'arrive, pas de soucis, je m'en charge. Oh la vache! Eh bien, il était rapide. Les rayons de l'étagère doivent être complets maintenant. Jette-y un œil. Mais ce sera pour une autre fois, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez-moi, c'est un maximum. Mettez-moi un maximum de commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, portez-vous bien. Bye bye!